de la prise de rendez-vous en fait, donc B2B ce qu'on appelle, donc c'est du professionnel à professionnel, pour mettre en relation la personne décisionnaire sur tout ce qui est prestation de service, donc souvent les DRH, avec notre commercial Pénélope. Un métier que je ne connaissais pas du tout. Après, on était rassurés. Enfin, je ne sais pas si ça s'était passé pareil pour toi, mais aussi, on a fait rassurée. Beaucoup d'écoute du coup. Je m'étais un peu basée sur ce qu'on voyait à la télé, les grandes salles, les grands open space. Ouais, contrairement à ce qu'on peut penser, l'accueil est plutôt bon. Hein. C'est valorisant quand même, parce que c'est vrai que bon, quand on a un oui, on a l'adrénaline. Oui, ouais, c'est ça. On est satisfait. Du moment où on met un pied dans la société, on a une formation, il y a toute une équipe qui est là pour nous accompagner, on n'est pas lâché dans la nature. Si on a une difficulté sur quelque chose ou qu'on est mal à l'aise, on va vers le coach ou le manager qui est là pour nous rassurer, nous prendre en écoute. On va consulter ensemble le coach qui écoute pour le PR. C'est vrai qu'il y a toujours des petites challenges dans le mois, on encourage tout le monde, on s'applaudit dès que quelqu'un va au tableau. C'est vrai que c'est un esprit familial. C'est un esprit d'équipe, hein. On aime bien parler, on aime bien le relationnel, ouais. On aime bien rigoler. C'est vrai qu'on se sent vite à l'aise et c'est ça qui est sympa. Ouais. Moi j'ai fait plusieurs pôles, j'ai toujours une bonne ambiance, des bonnes relations avec les collègues, avec les supérieurs. Il n'y a pas de barrière entre les niveaux hiérarchiques, quoi. C'est vrai que... Ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est pas dans toutes les sociétés. Ouais, c'est sûr. Il y a une certaine bienveillance quoi, en fait, tout à fait. De ce côté-là. On a tous démarré en se disant bah, on va essayer, on va peut-être pas rester très longtemps. Oui, voilà, c'est une transition. Et au final on y est toujours. Donc après on gravit les échelons petit à petit, mais je veux dire, les grands chefs d'aujourd'hui étaient les télévendeurs d'hier. Hein. Venez essayer, venez voir. Voilà, venez essayer. Je dirais essayer, c'est l'adopter. Mmh. Oh. C'est beau, hein. Oh, c'est magnifique.